ça montre bien qu'on est tectonique, on va pas s'habiller comme, je sais pas, comme dirait Kai. Ça montre pas qu'on est tectonique, on s'habille comme en survêtement et tout. Voilà. On a bien se fait remarquer. Ouais, on se fait remarquer dans la rue, ils disent ouais c'est un tectonique comme ça, ben, on se fait remarquer. Ils sont assez mouvants dès l'adolescence pour se démarquer en se marquant. On ne peut pas se démarquer sans se marquer à une autre appartenance. On ne peut pas le faire l'un sans l'autre. Hein. Coupe de cheveux, boucles, etc. Enfin, tout ça, et c'est des marques nécessaires pour se démarquer. Et se démarquer de la génération de ses parents, de sa famille. Tectonique, c'est deux plaques qui se rencontrent, c'est les plaques terrestres, en gros c'est tout con, c'est ça. Donc c'est les sons du sud, donc électro, et c'est les sons du nord, art style, jump style, donc ça s'entrechoque, c'est pour ça que ça a donné tectonique. Pour tectonique, tout ça, c'est, j'ai appris par internet, connu par internet, tout par internet. C'est-à-dire appris par internet? Bah les vidéos. Il y a des vidéos d'entraînement sur des blogs, etc. C'est un groupe, on va danser ensemble en boîte par exemple. On va, quand il y aura des battles qui vont être organisées, donc on va danser avec, avec notre team contre des autres teams. Il y a des battles hip-hop contre tectonique. Souvent c'est tectonique killer qui gagnons parce que nous avons les mêmes pas que. Mais plus nous. Non, moi je sais, c'est le break, c'est pas comparable. Ah, le break c'est plus joli, je suis désolé. Non, tectonique c'est tectonique, plus joli. Tectonique, on aurait dit après la faire la douche. Mais non. Mais malade, celui-là. Ouais. Oh, t'apprends à faire ta douche, t'apprends à faire ta douche. Il y a plusieurs clashs dans la tectonique. Comparé que le hip-hop, il y a qu'un clash. C'est face à face et regarder dans les yeux. Comme ça, je vais faire pareil et puis voilà. C'est l'avenir, ça. L'avenir de la danse, c'est aussi important que la valse, le tango, ou le slow, ou le foxtrot, ou la salsa et tout. Vous avez découvert ça comment, vous? En boîte, en discothèque. Ils avaient l'habitude d'écouter de l'électro, du R&B quand ils sortaient en club, etc. Là, comme je vous ai dit, on a apporté une couleur musicale, donc du jump style, du hardstyle. Dans nos soirées, il y a aussi bien de l'électro que du minimal. Et on a apporté une charge graphique, on a apporté tellement de choses que maintenant, aujourd'hui, on en est là à ce stade-là. Et
les jeunes se sont retrouvés dans ce mouvement sur la danse, sur l'habillement, sur la coupe de cheveux, sur tout.